Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai pas envie de me regarder le retour caméra, parce que maintenant que j'ai fait une frange d'eau, je ressemble à Marie-Antoinette. Je le vis un peu mal. En gros j'étais un peu triste et je me suis dit la solution c'est de couper deux mèches devant mon front. C'est une mauvaise idée. En plus c'est trop chiant, genre quand t'es en cours ça compte sur tes yeux. Je regrette. Si vous songez à faire une putain de frange rideau, TikTok vous ment. Le faites pas. Mais j'ai des plus grands soucis que ma petite crise capillaire. Déjà j'étais à deux doigts de me raser le crâne. On relativise. Namasté. Ma chambre, j'ai juste besoin de 2-3 photos, un petit poster sur le mur pour me donner un peu de couleur et de dimension. Il faut agir maintenant, ça fait un mois que j'habite ici. Bienvenue dans mon dortoir. Il y a ici de la pisse de mon chien. Déjà c'est pas du vomi, ça me va. Un jour je suis rentrée des cours, j'étais trop heureuse et je me pose sur mon canapé. Je me relaxe, c'était une longue journée de cours. Mon petit chien, moi je calcule pas, il continue, il m'aboie le fou. Du coup je suis genre bon ok vas-y viens sur mes jambes. Et il me vomit dessus. Je sais pas si il a la gastro mais je suis un peu concernée. Petite vue 360 degrés. Oh, wow. Trop beau. Vous connaissez la mode TikTok où les gens ils sont comme ça, ils boivent un truc et en même temps ils chantent? Bah je vais faire ça avec Dominique. Je vais m'étouffer, on va arrêter, on va aller. Aujourd'hui je vais exploiter un abonné et je vais le ramener avec moi partout. On va à la Truffaut, on va tenir des bambous et des cactus. Ça va vraiment être une journée Truffaut. On prend un peu d'énergie avant Truffaut, ça va être compliqué. Ouais ça va être dur. Tu fais mon âge? J'ai 18 ans dans quelques mois, qu'est-ce que je me raconte? Arrête de mentir. Dites-moi à toi-même. Mais si si, grave, au mois de janvier j'aurai 18 ans, je suis adulte. Mais si si. Si. Non. Je fais quel âge alors? Franchement, qu'est-ce que c'est? Non, 16. J'ai 17 ans, non, merci. Bah 16 alors, 16. On peut rien y faire, hein, c'est la vie. De toute façon, tant mieux, quand je serai vieille, je serai belle. Ouais, c'est ça en fait. Mais ça, j'ai déjà des rides donc. Je sais pas. À voir. Mais vas-y, achète-en, fais-toi plaisir. 2 euros! On prend lui! Pas trop comprendre l'effet artistique. Je vais être comme ça dans le métro, vraiment. De retour à j'en ai marre à chaque fois que je mets des chaussures autres que des Air Force. Mes pieds sont en sang. Je vais vous montrer mes achats d'aujourd'hui. Premièrement, nous avons un arrosoir. Si vous me connaissez bien, vous savez que ça a toujours été mon rêve de posséder ceci. Je me voyais mal dans le RER avec un petit bambou, donc je n'ai pas acheté de plantes, mais j'ai acheté un pot tournesol. Ça voit que c'est du faux ou pas? Bref, j'ai juste trouvé ça, du coup je n'aurai pas de plantes à arroser. C'est vrai que mon arrosoir va être d'une grande utilité. À part ça, j'ai acheté un autre truc qui sert à rien. Je trouvais ça mignon, posé sur mon bureau. Puis je suis passée à l'imprimerie et je me suis un peu fait arnaquer. Genre ça coûte la peau du cul 10 euros. Mais j'ai pris des photos en carré, genre ça va être très moche sur mon mur. Mais je me dis que ça fait une petite touche d'originalité. Écoutez, il y aura ma grosse gueule en fond de mes vidéos. C'était tout pour le haul. Waouh, quelle transformation. Ma chambre va vraiment passer de à... Yeah. C'est parti, l'atelier de coupage. Mes images, elles sont tellement belles. Choisies avec soin sur Pinterest. Je vais essayer de couper droit. Mais je vais aussi vous raconter des petites histoires drôles. J'ai envie qu'il se passe des trucs dans ma vie juste pour vous faire des story time. Du coup, une fois, je rentrais des cours. Le bruit, je crois, va être perturbant. Je pense à une seule chose, c'est de me casser. Je franchis le portail de mon lycée. Je suis prête à faire un petit marathon pour rentrer chez moi. Une fille m'aborde. Et je savais pas qui c'était. Je me suis dit, ça se trouve, je lui ai déjà parlé, je la reconnais pas. Elle était très enthousiaste. Genre, elle était dans son meilleur mood. Bonjour, tu veux faire quoi l'année prochaine? Tu es en quelle classe? T'es une prépa. Elle pensait que j'étais en prépa. Je pense que c'était le sac à main en fait, parce que la première semaine j'étais avec mon sac à dos et seulement il y a une pote qui m'a fait: est-ce que toi tes amis ils ont un sac à dos? Non, du coup prends un sac à main. Et j'étais genre, c'est pour ça que j'ai mon ami, c'est parce que j'ai un sac à dos. J'ai ouvert mes cartons quand ils sont arrivés et la première chose que j'ai vue c'était un sac à main. Je me suis dit, c'est un signe du destin. Du coup elle a pensé que j'étais en prépa. Ah d'accord. Très Blanche-Neige les 7 nains. Et puis moi j'étais au bout de ma vie. Mon cerveau un petit peu à bout de ses fonctions. Je me suis dit, mais c'est qui cette fille? En plus je sais qu'il y a des abonnés qui veulent me voir à la sortie de mon lycée. Du coup je me suis dit, ça se trouve c'est une abonnée, je vais la trouver. Et je lui fais, est-ce que t'es une abonnée? Et elle me fait, non, 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 je suis pas l'une de tes abonnées. Je sais pas, elle voulait me reconvertir à sa prépa de passesse du bizarre. Pourquoi cette photo elle est grave moche? J'ai payé 50 centimes pour cette merde. C'est quoi son problème? Mais de loin elle est belle de loin, mais loin de belle. Je ne sais pas ce que je vais faire l'année prochaine. Youtubeuse à plein temps. Je crois que je vais me mettre à écrire des agendas. D'un sourd, c'est une blague. Vous me verrez pas en mode janvier, février,
mars. J'hésitais trop en plus à acheter le calendrier de Swan et Neo. Et je me suis dit, bon, déjà, j'ai pas trop d'amis. Les gens me connaissent pas. Peut-être ils vont prendre ça sérieusement. Donc j'ai évité. J'ai enfin fini le découpage. Ouais. Spéciale dédicace à l'architecte qui n'a pas mis de lampe au plafond. Sympa l'éclairage. 1, 2, 3. Première photo sur le mur. Ça fait quelque chose. Tu peux chanter la chanson des Sims, ma sœur? Des fois les parents, quand je fais trop de bruit, là ils toquent, ils font. Et genre ça résonne à côté. L'idée de coller 2-3 photos, c'était très mimes. C'est cute. J'allais dire, il manque comme le bouton au milieu de mes sourcils sur mon mur. Genre il manque l'élément clé. On est toujours pas là, mais il y a quelque chose à exploiter. C'est pourquoi en fait j'ai commandé sur Amazon. J'espère que c'est pas moche, parce qu'on va avoir que ça dans ma chambre. Une petite tapisserie, je sais pas, je trouve ça mime. On va découvrir ça ensemble, j'ai très peur. On adore le plastique, toujours plus. J'ai peur. J'espère juste que ça va être beau. Je sais pas comment je vais mettre ça sur mon mur. Je vais le faire avec des punaises. Hop, on va faire ici. Ah, oh, regardez de loin, si c'est beau. Qu'est-ce que j'aime bien. J'ai payé 20 euros. Oui, j'aime bien. J'adore. C'est trop beau. Magnifique. Bon, est-ce que j'en mets une autre des punaises? C'est un peu froissé tout ça. Je crois que je vais en mettre une autre. J'aurais dû le repasser avant de le mettre sur mon mur. Le soleil, soit il va devenir ma meilleure copine, ou soit... Imaginez, je commence à faire des rêves bizarres le soir. J'arrive pas à dormir la nuit. Est-ce que j'aime bien? Ça va vraiment être dans ma chambre pendant des lustres et des lustres. Une fois que je fais une décoration, je change pas. Entre le bébé nu, le soleil, je sais pas trop où mettre, ça me fait un peu peur. Du coup, ce que je vais essayer de faire pour rendre tout ça un peu plus chaleureux, c'est que je vais mettre une petite guirlande. Je crois que ça fait un peu trop superficiel. C'est ce que mon prof de maths m'a dit d'ailleurs. Je fais mon petit contrôle. Cet espace me met mal à l'aise, donc je vais mettre des photos ici. Est-ce que vous aussi? En fait, j'ai un problème au palais. Genre, à chaque fois que je mange des trucs trop secs, ça m'irrite pendant genre 3 jours. Et à chaque fois que je mange des chips, c'est trop addictif et je peux pas m'arrêter. Non, on est trop mal. C'est horrible. Hop. C'est ce qu'il me fallait, c'est ce qui me manquait. Cette photo, je pense que vous pouvez rien voir. En gros, c'est ma pote. Vous connaissez la Snap Map? En gros, ce jour-là, on savait pas quoi faire. J'ai dit, venez, on va à la maison du crush de ma pote. Et on a mis Google Maps et on était devant ça. On était devant son lotissement, on s'est dit non, c'est trop bizarre. Et à côté de chez lui, il y avait des poneys. Très grand galop. Hello world, this is me. Ce jour-là, on se préparait pour une petite soirée, j'ai sans doute fini par terre à faire des petites galipettes, c'était sympa. Cette photo, il y a mon bordel derrière, mais bon. C'était mon endroit préféré à Dublin. Tu peux vraiment trouver ce lieu n'importe où. C'est pas un truc exceptionnel, c'est juste un petit lac avec des arbres, un petit... En gros, pendant tout le confinement avec ma soeur, on allait à notre endroit secret et on mettait la chanson Call Me By Your Name. Visions of Gay. Bref, et c'était trop bien, on se posait, on parlait de notre vie. J'ai pleuré beaucoup de fois là-bas. J'avais mes pattes d'araignée, enfin vous vous en souvenez bien cette période. Et ma soeur m'a fait, si tu veux pas cacher ton mascara, faut que tu pleures comme ça. Et du coup j'ai pleuré comme ça pendant 20 minutes. Non, je vais trop y retourner. Attendez, je vais y retourner visuellement. Cet endroit, j'y suis allée tellement de fois. Tous les endroits du blanc en fait, c'était grave mon rituel. Ça fait 8 ans que j'habitais là-bas, donc je peux juste fermer les yeux et je peux être là. Là, je suis dans le bus. Je sors. On va changer de discussion parce que vous allez me voir comme ça. La mode que j'ai trop envie de faire, c'est prendre des CD, dessiner un petit truc bizarre, le coller sur mon mur. Voilà. Ma chambre, ça va vraiment être en chantier, j'ai l'impression que c'est too much. Mais en vrai, j'aime bien. Mes photos partout, ça me rappelle mon ancienne vie, je sais pas, les couleurs et tout. Franchement, c'est quelque chose de positif. Les plantes, ça me donne de la joie de vivre. J'ai cassé un miroir. Je vous promets, j'ai la poisse. Ça se trouve, c'est le soleil qui est en train de me jouer des mauvais tours. Mais depuis que j'ai affiché la tapisserie, j'ai cassé... Bah, le miroir, il est tombé sur moi, un verre. J'ai fait tomber mon paquet de Monster Munch. Ce soleil est maléfique. Je vais découvrir mes CD. Il y a des gens, ils font des trucs super stylés sur leur CD. Ils font des petits dessins, peinture et tout. Moi, j'ai la flemme. Je vais écrire ce qui me passe par la tête. Il y en a un, je vais écrire chasser les esprits. C'est important. Il faut absolument que j'ai ça sur mon mur parce que... Et peut-être Namasté aussi. Et celui-ci est extrêmement moche. Oui, ça va être comme mon petit adresse cauchemar. Je pense que c'est vital de l'avoir sur mon mur. Je veux trop un où il y a marqué miaou 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 miaou. Magnifique, trop beau.
j'ai imprimé des petits papillons et ça m'a déverrouillé un souvenir très lointain. J'avais des journées dédiées où j'allais sur l'ordi de mon père et je cherchais mes petits coloriages du moment. J'en ai imprimé 10 pour toute la semaine. Genre je kiffais, c'était ma passion. Bref, du coup j'avais complètement oublié cette période de ma vie, mais j'ai imprimé des papillons. Je vais essayer de faire un petit moment. Waouh, magnifique. J'espère que ça va me chasser mes esprits, ça. J'ai toujours aussi peur. Mon frère vient voir la transformation. Est-ce que t'as peur de quelque chose en particulier? Non? C'est juste le CD, je comprends pas le délire. Tu comprends pas le délire des CD? Il y a trop genre de photos et tout, ça m'en fout genre. Ça fait quoi d'être famous au collège? Téléphone de bonjour Annabelle. Donc on va prendre. Oula, je vais coller ça là. C'est trop beau. Hey. En fait, j'ai un planning super bien. Je filme le week-end et je monte la semaine. Du coup, bah, j'ai filmé ça le week-end dernier et je savais pas si j'aimais. Genre, ça me perturbait un peu. Ça me faisait des bad vibes. Mais en fait, avec le temps, j'ai appris à aimer. J'espère en commentaire, vous allez pas me faire enlève-moi cette tapisserie tout de suite, c'est hideux. Parce que moi, je commence vraiment à m'attacher au petit soleil. Pour l'instant, j'ai pas fait trop de cauchemars. Quoi qu'hier soir, c'était pas fameux. Mais on s'habitue, on s'attache et on s'empoisonne. C'est Christophe Maé qui chante ça. Mais il est toujours en vie. Mais j'ai peur, ça fait très longtemps que j'ai pas entendu parler de ce monsieur. Ah, il y a 3 semaines il a posté, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, même je pense que c'est plus agréable à regarder. On est d'accord que les murs blancs c'était la déprime, vous ferez très bientôt un room tour. Je faisais le montage de ma vidéo et j'ai une mèche. Je vais couper ça. Je suis allée à Cheap. Je pensais que c'était la meilleure affaire du mois. J'étais tellement fière. Pour 30 euros, on m'a coupé les cheveux, on m'a fait une frange rideau, on m'a fait des soins, on m'a fait un shampoing, un brushing, un lissage. Et j'en ai parlé aux autres gens et c'était genre, ah oui, c'est normal. Mais pour moi, 30 euros, c'était l'affaire du mois. Et en plus, elle m'a mal coupé. Genre, il y a même dans ma classe, ça m'a fait, c'est toi qui t'es coupé les cheveux toute seule. J'étais genre, hell no. C'était pas avec ce ciseau. De toute façon, j'ai jamais eu les cheveux droits. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous. Bye.